playing. They really got at home. You know, it's a huge win. It gives us a lot of confidence against a really good team. People are talking about it around me and stuff, and I'm happy about it. But yeah, I just want to keep playing, keep getting wins, and I'd be much happier if we were going to playoffs at the end of the year. So that's the main goal for me, to win something. And I don't, like, obviously it's nice to get like your own accomplishments, but I want to win something with this team, not on my own. T'es toute l'équipe, puis moi compris, je me suis parlé, puis je me sentais bien avant le match, je me sentais bien dans le warm-up, donc je me suis dit de rester focus, puis évidemment, le sou, j'ai marqué peut-être quoi, 20 secondes après, donc évidemment, ça a ramené tout le monde à la case départ, puis c'est sûr que ça fait du bien. Puis ensuite, on a peut-être cherché un autre but aussi pas longtemps après, donc je pense que je suis vraiment content de l'effort des gars. À partir de la deuxième, on a joué de l'excellent hockey. Je pense que c'est le sentiment d'urgence. On dirait que pendant trois périodes, 60 minutes, les gars, tout le monde est concentré, tout le monde est sur la tâche, puis on sait qu'il faut pas leur en donner beaucoup pour compte des buts, donc on joue organisé dans notre zone, puis après, ça, bon, on devient opportuniste dans la zone offensive. Je pense que c'est la manière qu'on réussit à compétitionner et à gagner des parties contre ces équipes-là. Marc-André Dumont, salut! Salut Marc-André! Salut Yannick! Bon. Marc-André, bon, c'est une deuxième victoire de suite pour le Canadien. Qui l'aurait dit? Un voyage de 500 sur ce difficile voyage de 12 jours, 5 matchs. Puis toi, tu penses que c'est grâce à la défensive, mais j'aimerais te rappeler que dans ces deux victoires-là, les deux gardiens de but partants ont été fumants à des moments importants, c'est-à-dire en début de match. Je pense à Caden Primeau contre le Kraken de Seattle, et malgré le but tôt de Nathan McKinnon, qui était top shelf, là où maman cache les biscuits, je pense que faut parler aussi des gardiens de but qui ont fait des gros arrêts à des moments importants. Mais je vais te laisser, coach, parler de ta défensive aussi. Ben écoute, non, tu as raison, Martin. Tu as raison de mentionner que les deux gardiens de but ont été très bons. Caden Primeau a donné confiance, a donné un élan aux Canadiens contre Kraken. Donc ça l'a permis vraiment aux Canadiens de reprendre un peu plus de momentum. Il a été excellent, Caden. C'est vraiment rafraîchissant de voir ça. Samuel Montembeau, hier, a été extrêmement solide. Puis il a été vraiment de loin le meilleur des deux gardiens de but sur la patinoire, même si l'autre gardien a accordé deux buts seulement, il a paru chancelant à certains moments. Marc Denis l'a mentionné durant le reportage, durant le match. Et donc, c'est sûr que Sam Montembeau, les statistiques qu'il a sont supérieures. Par exemple, je vais essayer de m'avancer dans une explication, mais si on regarde les chances de marquer attendues puis le nombre de buts que le Canadien devrait accorder, il en accorde moins à cause de Sam Montembeau. Parce que Sam Montembeau fait les arrêts puis fait des arrêts clés de façon répétitive. Donc, il n'y a aucun doute pour moi que c'est un facteur extrêmement important. Par contre, jeudi contre les Canucks de Vancouver, une défaite du Canadien. Le Canadien a donné 12 surnombres. Donc, des 4 contre 3, des 3 contre 2, des 2 contre 1, des semi-échappés, des échappés. Donc, 12 surnombres. J'en ai parlé à Hockey 360 dimanche soir avant le match contre Seattle. Et hier soir, il y en a eu 4 seulement. Donc, c'est vraiment un pas très important dans la bonne direction. Puis, tu sais, Yannick, Martin, il y a des analystes, il y a des gens qui disent, qui posent la question, c'est une question tout à fait légitime, que est-ce que le Canadien progresse? Est-ce que le Canadien progresse actuellement? Bien, tu sais, quand tu regardes ça, bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis l'aspect défensif, le tableau que Valérie puis la gang de Valérie a préparé, bien, ça démontre que quand le Canadien accorde 3 buts au moins, ils ont toute une fiche. Puis quand le Canadien accorde plus de 3 buts, ils ont une victoire. Donc, le succès repose dans le jeu défensif. Parce que tu ne peux pas gagner de façon régulière dans le hockey, dans toute ligue, soit dit en passant. On pourrait faire ce tableau-là avec dans la LHJMQ, dans la Ligue M18-3A. Quand tu accordes 4-5 buts, c'est difficile de gagner de façon régulière. Et bien, les deux dernières victoires du Canadien, mais justement, c'est un but accordé seulement. Oui, le gardien de but a fait un bon travail, mais moi, ce que je note surtout, c'est la progression, messieurs, du repli défensif et de l'engagement, de la structure pour affronter les attaques contre, les entrées de zone contre. Donc,
J'allais dire les rush against. Là, c'est pour ça que j'ai hésité. Là. Je suis encore en anglais des fois quand je pense à hockey. Mais c'est vraiment les entrées de zone contre qui a une progression. Puis vous le savez, ça fait six semaines que j'en parle ici à Ongeaz. Oui, tu as tellement raison. Puis c'est vrai que le terme anglophone est plus facile à dire qu'en anglais, qu'en français, entrée de zone contre. Tu sais, même tu regardes ça, là, puis tu fais comme OK, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rush again, c'est pas mal plus simple, là, mais explique-nous, définis un petit peu là, ce que tu veux dire par là pour ceux qui sont moins habitués avec les termes précis de hockey. Là. Toi, t'es un entraîneur, tu sais, pour toi, c'est un langage clair, simple, mais entrée de zone contre, explique ça un peu aux gens parce que tu dis que vraiment c'est l'élément clé dans le succès là, des derniers matchs. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'adversaire a la rondelle en zone neutre et attaque vers le filet. Donc, ça, c'est une entrée de zone. Donc, c'est une entrée de zone contre nous parce qu'ils s'en viennent attaquer notre gardien. Donc, quand ils traversent la ligne bleue du Canadien, c'est ça une entrée de zone. Tu entres dans la zone adverse. Et dans les dernières semaines, le Canadien donnait un paquet de 2 contre 1, des échappés, des 3 contre 2, des 4 contre 3. Et c'était vraiment très, très, très évident que c'était une lacune importante. Ce qui arrivait après, c'est que ça donnait des temps forts à l'adversaire, parfois même des avantages numériques. Là, c'est sûr que hier, Colorado, c'est une bonne équipe. Fait que même à 2 contre 2 ou 3 contre 3, donc à égalité numérique, quand je dis 3 contre 3, ça veut dire qu'il y a 3 joueurs de l'Avalanche qui attaquent la ligne bleue du Canadien en possession de rondelles contre 3 joueurs du Canadien. Donc, on est à égalité numérique. Il y a eu quand même 4 chances de marquer. Je les ai toutes révisées ce matin. Là, 4 chances de marquer en entrée de zone, en égalité numérique. Parce que c'est l'Avalanche du Colorado. Ils ont du talent, puis Nathan MacKinnon peut battre 2 gars à lui seul. Fait qu'un 3 contre 3, quand Nathan MacKinnon est là, ça se peut que ça finisse avec une chance de marquer. Mais toujours est-il que les 4 surnombres seulement qui ont été donnés, il y en a 3 notamment qui ont été en première période, mais ça a été 4 au total. Bien, ça, c'est très encourageant, à mon avis. Puis je pense que ça facilite un peu le travail du gardien de but. Ça facilite aussi la relance. Ça va éviter aussi des punitions. Donc, ça, c'est un élément qui, à mon avis, est majeur pour le Canadien. Puis ça va permettre de réduire les buts contre. Parce qu'en étant 25e sur 32 équipes, là, c'est pas une très bonne statistique. Puis en réduisant les buts contre, si on donne 3 buts ou moins dans un match, la plupart du temps, tu es dans la game. Tu sais, tu donnes 3 buts, là, avec 10 minutes à faire, 5 minutes à faire, c'est peut-être 3-2, c'est peut-être 3-3, c'est peut-être 4-3 pour toi, mais t'es dans le coup. Et donner plus que ça, ça va arriver, là. Même l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, ça va arriver cette année, puis même en série éliminatoire, qu'ils vont donner plus que 3 buts, puis ils vont trouver un moyen de gagner ou ils vont la perdre, puis ils vont se rebondir par la suite. Mais le but étant de viser 3 buts moins, justement, parce qu'on a vu le tableau tout à l'heure, le Canadien joue pour au-dessus de 700 quand il donne 3 buts ou moins. Oui, c'est normal, tu sais, la défensive, puis souvent on en a parlé, le fameux homme à homme. Le Canadien avait tellement d'éléments contre eux. Je me suis informé, tu sais, auprès de Jean-Sébastien Giguère, ancien de l'Avalanche, Steve Bégin qui a joué pour le Canadien. Quand l'Avalanche revient de long voyage, eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent à leur environnement au niveau de l'altitude. Eux autres, c'était leur 3e match. Ils n'avaient pas d'adaptation à faire. Le Canadien, eux, arrivaient du niveau de la mer à Seattle. On était à Calgary, puis on s'en va juste un peu plus haut à Colorado. Niveau de la mer, ils sont arrivés la veille sous niveau. Ils avaient couché à Seattle. Le Canadien avait beaucoup, 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 beaucoup de choses qui jouaient contre eux, puis ils sont sortis forts, mais si tu prends chaque élément collectif, le jeu de puissance, ça a été long avant qu'on en ait un. Il y a plein de 2 minutes où la rondelle a circulé. Le désavantage numérique, je sais que sur le voyage, on a perdu notre séquence consécutive qu'on ne donnait pas de but en désavantage numérique. T'es solide hier contre l'Avalanche du Colorado. Je veux dire, même à s'installer, ça a été difficile pour l'Avalanche. Le jeu de transition, je trouve qu'on s'est moins effondré. Oui, on a plié, mais on n'a pas cassé. Quand on perdait nos bonhommes, tout le monde avait l'air à se réunir dans le milieu puis se redistribuer chacun son joueur. Moins de panique dans le jeu. Puis quand ça cassait, il y avait Samuel Montembeault qui faisait des gros arrêts. Je trouve que collectivement, Martin Saint-Louis, puis tu sais, même les joueurs qui ont célébré après la victoire, on dirait qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Martin Saint-Louis était excessivement heureux après la victoire. Là. Il ne s'est pas caché pour dire qu'il était d'une fierté incroyable envers cette équipe-là.
Mais je trouve que c'est de voir que cette équipe-là, au collectif, malgré des trios coup-ci, coup-ça, après le trio de Suzuki, au collectif, ça avait du sens. Bien, tu as raison. Martin Saint-Louis était émotif, en fait, dans son point de presse d'après-match. Tu sais, il était émotif. Pourquoi? Parce que comme entraîneur, t'es exigeant envers tes joueurs, tu leur demandes des choses. Puis le soir ou le match que tout connecte, puis que les joueurs vraiment sont engagés, Raphaël Harvey Pinard le disait, ils ont été vraiment concentrés sur la tâche pendant 60 minutes. Bien, ça, c'est des beaux moments pour un entraîneur parce que tu te dis, j'ai quasiment plus besoin de coacher aujourd'hui, ce soir. Là, tu sais, je laisse aller le groupe, puis ça va bien se dérouler. Puis tu as mentionné quelque chose, tu as mentionné deux choses intéressantes, Martin. Tu as parlé que quand il y avait une erreur qui se produisait, les joueurs revenaient dans le milieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent dans les dernières semaines, dans les mauvais matchs, là, quand on accordait beaucoup de buts, beaucoup de chances de marquer, quand on donnait 40 lancés. Canadiens, souvent, là, un joueur se faisait battre, puis là, c'était terminé. Là, c'était terminé dans le sens. Là, l'autre équipe rentrait dans le centre, rentrait à l'intérieur des points de mise en jeu, avait des chances de marquer. Puis l'Avalanche, c'est une équipe qui est très, très bonne en possession de rondelles en zone offensive avec des permutations continuelles, attaquants, défenseurs, puis de la vitesse. T'sais. Les permutations, tout le monde en fait, mais il y en a qui en font à haute vitesse, puis il y en a qui en font à moyenne vitesse, puis l'Avalanche est à haute vitesse, ces permutations-là. Bien, chaque fois que ça s'est produit, on n'a toujours pas senti le Canadien comme vulnérable à donner des chances de marquer facilement dans l'enclave. Tu sais, je me rappelle d'une entrée de zone, c'était un 2 contre 3, où est-ce que le joueur de l'Avalanche a simplement lancé la rondelle vers le filet, puis c'est Harris qui était devant lui, ça a frappé le patin d'Harris, je pense, c'était en première période. Mais tu sais, quand tu donnes à l'adversaire la seule possibilité que tu lui donnes, c'est qu'il prenne une chance à envoyer la rondelle vers l'enclave pour une déviation ou pour un retour de lancer. Je vais prendre ça toute la soirée, là, tu sais. L'autre élément, Martin, c'est que tu mentionnes Samuel Montembeault a fait les arrêts, effectivement. Puis une des choses que moi, j'ai noté hier, c'est que l'Avalanche n'a pas vraiment mis de trafic devant Samuel Montembeault, là, tu sais. En avantage numérique, il n'y avait pas un écran devant lui. Ils n'ont pas tenté de le déranger vraiment. Je pense qu'ils se sont fiés sur, tu sais, leur potentiel, leur capacité. T'sais, il était revenu de l'arrière contre Pittsburgh dimanche. C'était un match spectaculaire. Et ils ont eu congé lundi. Je pense que c'est un congé peut-être que Jared Bednar va regretter. Mais toujours est-il que ils n'ont pas mis beaucoup de circulation. Ça a permis à Samuel de pas donner beaucoup de retours puis d'être vraiment solide à bien absorber rondelles, à voir les rondelles arriver vers lui. Moi, je veux revenir un peu, c'est une bonne observation, là, Marc-André, mais je veux revenir un peu, quand on regarde ça là, de façon générale à Martin Saint-Louis, ce qui s'est passé dans les derniers jours, dernières semaines et hier. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, Martin Saint-Louis, on va vraiment voir quand l'équipe va arriver plus à maturité puis qu'on va s'attendre à ce qu'elle participe aux séries et qu'elle soit prétendante à la Coupe Stanley. C'est là qu'on va voir comment Martin Saint-Louis va se débrouiller avec tout ça. Mais moi, le signal que hier, je trouve personnellement que ça envoie, c'est que Martin Saint-Louis, c'est un, je vais prendre le terme anglophone, un player's coach. Tu sais, c'est Tortorella, c'est pas un player's coach. Daryl Sutter, c'était pas un player's coach. Mais Martin Saint-Louis, c'en est un. Ça, en fait, on dit que c'est le genre de coach près de ses joueurs, que les joueurs aiment beaucoup l'entraîneur. Hier, là, c'est un message clair là, que ces jeunes-là ont envoyé à leur entraîneur. Puis ça, je trouve que, comme partisan, là, vous allez me dire peut-être que c'est loin, là, je vois ça trop vite. Mais je trouve que c'est un beau message qu'on envoie de la part des joueurs en disant « Nous, on l'aime, puis on va aller à la guerre avec ce gars-là, entre parenthèses. On va tout faire pour qu'on remporte du succès. » C'est un élément important, parce que dans le processus du Canadien qu'on va continuer à faire dans les prochaines années, mais là, il en reste moins qu'en restait, bien, ça vient de définir quelque chose de clair. C'est que je pense que Martin Saint-Louis est bien en selle, puis les gars veulent jouer pour lui, là. Il n'y a pas de doute. Tu sais, pendant que Coach Letowski remplaçait Martin, il est en communication constante avec Martin Saint-Louis. Puis Martin regardait les matchs, assurément, ou en tout cas, peut-être pas en direct, mais tu sais, il regardait sur son laptop, sur son ordinateur par la suite. Puis il y avait une communication. Donc le fil conducteur s'est poursuivi.
T'sais, le message qui a été donné aux joueurs, les exigences auprès des joueurs, le plan de match, il y avait une continuité. Tu n'arrives pas et tu changes les affaires de bout en bout. Là, je vais vous donner une anecdote là-dessus. Là, je fais une parenthèse, je sors complètement là, du sujet, là, mais c'est une drôle d'anecdote. En tout cas, je n'ai pas la permission de le nommer, fait que je ne le nommerai pas, mais c'est un entraîneur à la JMQ qui me disait une fois, il dit ça fait longtemps, là, c'est dans les années 2004. 2003, 2004, 2005, dans ces années-là. Alors, il est parti avec l'équipe Canada Junior, et là, il avait dit à son adjoint, il dit, tu sais, dirige l'équipe comme si c'est toi le coach. Il revient un mois plus tard, le système de jeu a changé. Là, il dit, pas ça, t'as changé le système de jeu. L'adjoint lui a dit, ben, tu m'avais dit de coacher ça comme moi, je peux coacher, comme si c'était moi le coach. Fait que j'ai changé la zone défensive. Fait qu'évidemment, t'es pas supposé faire ça quand ton entraîneur-chef s'en va à l'équipe Canada. Mais dans le cas de Lutowski puis de Martin Saint-Louis, c'est que ils ont conservé une communication quotidienne. Martin Saint-Louis a donné ses observations à la fin des matchs auprès du groupe d'entraîneurs. Il y a eu un fil conducteur. Tu as raison, Martin. T'sais, pour avoir du succès, ça prend une symbiose entre les joueurs, les leaders et les entraîneurs. Puis l'intermédiaire là-dedans, c'est Nick Suzuki. C'est lui le capitaine. C'est lui l'intermédiaire qui va aller vers Martin pour lui dire, tu sais, ça, on aime ça, ça, on aime ça un peu moins, ou on n'est pas certain de comprendre pourquoi on fait ça comme ça, ou as-tu déjà pensé qu'on pourrait le faire comme ça? Puis à l'inverse, Martin, quand il y a un message à passer, bien, il passe par son capitaine, puis il va dire à son capitaine, bien là, je vais tenir une réunion avec le groupe, puis voici c'est quoi qu'on va aborder. Puis voici, ça va être quoi mon message. Et là, ben la réunion se tient. Puis là, ben Nick Suzuki le sait, c'est quoi le but, c'est quoi le propos. Puis je dis Nick Suzuki, c'est peut-être aussi avec les entraîneurs, les assistants capitaines également. Et quand Martin Saint-Louis quitte le vestiaire, il y a toujours, puis là, ceux qui nous suivent souvent vont dire, Marc-André l'a déjà dit ça, mais il y a toujours un meeting après le meeting. Tu sais, il y a toujours une réunion après la réunion. Fait que là, quand Martin Saint-Louis, son groupe d'entraîneurs, quitte le vestiaire ou la salle vidéo, et là, les gars, tu sais, vaquent à leurs occupations, ils vont aller chercher un verre de Gatorade, ils vont aller chercher, tu sais, du tape pour leur bâton, ils vont aller chercher une nouvelle paire de lacets, peu importe, là, tu sais, ils vont aller... Mais, tu sais, il va y avoir des petits regroupements, deux, trois gars qui vont se parler là, puis deux, trois gars qui vont se parler là, et c'est là l'influence du leadership. Tu sais, David Savard, il va être autour des défenseurs, disons, ou dans le vestiaire, s'il se retrouve avec des jeunes autour de lui. Puis là, il y a peut-être un jeune qui va dire, tu sais, hey, le coach, il dit ça, ouais, il dit, c'est nouveau ça, tu sais. Puis là, David Savard va dire, ouais, mais c'est la bonne affaire, là. C'est ça qu'il faut faire. Il a raison, le coach, là, tu sais. Puis là, les jeunes vont dire, OK, OK. Ou les autres défenseurs vont dire, oh, si David Savard dit ça, ben, ça doit être vrai. Puis là, Nick Suzuki, puis Mike Madison, puis tout ça. Fait que les leaders vont tu sais, continuer ce message-là. Puis ce que tu dis, Yannick, c'est que là, hier, on a vu un signe très prometteur de cette symbiose-là entre l'entraîneur et le groupe. Puis tu as raison exact. De dire que ça, c'est prometteur pour la progression de l'équipe, que l'équipe continue sa progression, notamment défensive. Là, je reviens là-dessus, là, mais améliorer son jeu défensif. C'est clair. Puis c'est de bon augure pour la suite des choses. Tu voulais observer une différence entre le match contre Colorado et Vancouver, mais il y a le tableau aussi, fait que je ne sais pas où aller. Je sais que contre Vancouver, on en avait parlé, c'était beaucoup plus agressif. Ouais. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu voulais discuter ou montrer en tableau, mais... Ben, en fait, j'ai déjà abordé la différence. C'était surtout au niveau, Martin, des surnombres. Dans les entrées de zone contre, okay. Il y en avait eu 12 contre Vancouver. C'est énorme, 12, le surnombre. Là, t'sais. Puis je l'ai dit souvent dans les dernières semaines, un 2 contre 1, là, t'en donnes un dans le game, là, puis c'est fini après. Là. T'sais, puis dans le junior, ouais. C'est comme mais, ça. Mais, là, t'sais, moi, la différence, on en donnait un, là, puis là, on se disait, c'est fini. Il ne faut plus qu'il n'aille. Là, c'est sûr que ouais. Quand la rondelle frappe là, la tige de métal dans baie vitrée à Rouyn-Noranda, puis que la rondelle se ramasse au milieu... Ça va arriver, là, tu sais. Ça, tu te dis, bon, on a donné un 2 contre 1 là-dessus, là, tu sais. Mais quand tu donnes un 2 contre 1 parce qu'il y a un joueur qui n'a pas fait sa job sur la patinoire, soit un défenseur qui a pris une mauvaise décision ou un défenseur qui a pris une bonne décision de supporter ou de mettre la pression adéquate
mais sans qu'il y ait un attaquant qui se replie, qui prenne la position, puis qui s'éclaire dans le système de jeu et dans le plan de match, mais ce genre de situation-là, il ne faut pas que ça arrive. Puis là, c'est arrivé 12 fois contre Vancouver. Là. Hier, ben, c'est arrivé 4 fois. Puis Colorado, ben, c'est pas une équipe commode. Ouais. Fait que, t'sais, c'est pas évident, c'est une des meilleures de la Ligue nationale. Fait que je me dis, si le Canadien peut juste donner 4 surnombres contre Colorado puis améliorer ça graduellement, ben c'est bon signe. Là. Quand on va affronter des adversaires qui sont moins rodés que Colorado, ben ça va être intéressant. Ce que j'allais dire au niveau de la différence, on en a parlé avec Marc, Vancouver, c'était très agressif, très dans ta face, comme un peu la Caroline. Marc avait un autre exemple. Moi, j'avais dit Caroline, Marc avait un autre exemple. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Yannick, d'une équipe qui jouait comme Vancouver. Tu l'as dit tantôt, là, Colorado avait tenté d'IQ, pas mis trop de trafic devant Samuel Montembeau. Ouais. Donc, ça a été mieux pour le système du Canadien. Amène-nous ton tableau. On aime ça. Bon, le tableau, ben c'est simple. Je fais un lien, évidemment, avec les entrées de zone compte. Fait que ça, c'est une mise en jeu à la ligne bleue de Colorado. Okay? Fait que j'ai mis les chiffres. Ça, c'est les joueurs du Canadien qui étaient là. Goulet, Matheson, Ylönen, le 56, Evans, puis Anderson. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que Colorado va gagner la mise en jeu. Okay? Il va avoir une passe ici. Puis on va poursuivre l'explication sur le web, ceux qui veulent nous suivre, ou sur YouTube et Facebook. T'es bon, Marc-André. Poursuis. Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, ensuite, je vais juste prendre mon autre crayon. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le centre ici, c'était MacKinnon, OK? Fait que MacKinnon, lui, est parti par là-bas, et puis les deux alliés sont partis là-bas, OK? Et là, le Canadien va jouer ça homme à homme. Et Evans a bien lu que MacKinnon s'en venait ici. Alors, il restait avec lui. Les deux défenseurs sont allés se positionner là-bas. Alors, Anderson a mis de la pression. Ylönen est resté vraiment haut. Puis sur la passe over, là, après ça, il est allé presser. Et là, Anderson est revenu. Et ça donne ça comme situation. Alors, c'est une situation où le seul bon jeu... là, je vais juste placer mon tableau. Excusez-moi, ça s'en vient. Proche de ton visage. Faut que tu te recules un peu. OK, là, c'est bon. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la longue passe qui arrivait là, du défenseur gauche de Colorado, alors, elle est arrivée ici, mais Goulet était directement devant lui. Alors, il y a eu une déviation. Matheson avait son homme. Anderson était déjà revenu ici, dans le centre de la patinoire. Evans, il y avait MacKinnon ici, puis Ylönen revenait. Alors, ce qui est important, c'est d'éviter que les deux défenseurs du Colorado passent en avant d'Ylönen et Anderson, ce qui créerait un surnombre. Alors, ça, c'est une situation que le Canadien fait bien. C'est linéaire, c'est-à-dire que c'est une mise en jeu. Fait que t'es placé un peu comme au football. Tu sais, le jeu part, puis là, tu sais c'est quoi les tracés. C'est plus dans le feu de l'action qu'il faut retrouver ces tracés-là puis c'est de figurer où aller. Mais ça a été bien fait. Et c'est fréquent, et c'est Bruno qui m'avait fait remarquer ça, Bruno Gervais qui m'avait fait remarquer ça, c'est que le Canadien joue beaucoup avec deux défenseurs d'un côté, un attaquant. Donc, on est à trois à la ligne bleue, en zone neutre sur l'échec avant, mais souvent, l'attaquant est sur le flanc gauche. Alors, c'est une manière de le faire. Et là, sur cette situation-là, ben ça a fonctionné. Oui, puis, tu sais, Yann, je sais que c'était à toi, mais on pourrait même rajouter, là, on a vu hier, puis c'est pas la première fois qu'on voit. Avant, on appelait ça un squeeze, tu sais, le défenseur extérieur s'en venait mettre de la pression sur un des deux attaquants. Et c'est comme s'il poussait l'autre attaquant dans son deuxième défenseur. Ouais. C'est comme si, sur ton tableau, Madison venait squeezer, puis ça poussait le gars dans Goulet qui était déjà le long de la bande. Mais hier, on a vu souvent Jack Eye aller bousculer, tu sais, terminer cette mise en échec-là. Fait que, lui, le temps qu'il se replace dans le jeu, Jack Eye, il est tout seul. Là. Le gars qui vient de frapper, il est à terre. Le temps qu'il se relève, qu'il s'en vienne. Alors, ouais, on voit ça de plus en plus. Puis quand tu nous le montres comme ça sur le tableau, ça va nous permettre de le regarder encore plus dans les prochains matchs. Oui. Tu as une très, très bonne explication. Si on change de registre un peu, parce que le temps file, puis je sais que tu voulais nous parler de l'excellent... Ça fait drôle quand je dis ça. L'excellent Joël Armia. Ben, il va bien, Joel Armia, tu sais. Puis, jeudi contre Vancouver, il a été mauvais.
OK? Il a été vraiment mauvais, mais ça faisait plusieurs semaines qu'il avait des belles séquences, des bons matchs, impliqués, engagés, gagnait ses batteurs un contre un, clé en désavantage numérique, faisait un bon travail. Et j'en ai parlé justement à Hockey 360 dimanche soir parce que un de mes sujets, c'était de dire est-ce que Yoel Armia va rebondir ce soir? Parce que le dernier match a été mauvais à Vancouver. Alors, est-ce qu'il va rebondir? Puis rebondir, bien, c'est une aptitude. Ça se travaille. Ça prend du temps, puis ça prend de l'effort. Puis Yoel Armia a été rétrogradé deux fois cette année à Laval, avant le début de la saison, puis une fois ensuite. Les deux fois, il a eu une belle attitude. Moi, je l'ai vu jouer avec le Rocket. J'ai vu son attitude. J'ai vu son entrain à aider Joshua Roy à performer dans son entrée dans l'hockey professionnel. Joshua Roy, c'est sa première saison professionnelle. Donc, Armia a été rappelé. Puis là, il y a eu des bonnes séquences. Puis là, je me disais, est-ce qu'il va rebondir? Bien, visiblement, il a rebondi. Ça, c'est encourageant pour lui. C'est la maturité qui rentre. C'est aussi peut-être la crainte d'être redescendu à Laval. Il se dit, moi, il n'est pas question que je joue plus qu'un match, un mauvais match consécutif. Puis là, bien, la prochaine étape pour lui, ça va être de rebondir à l'intérieur d'un match. Ça aussi, c'est une aptitude qui se travaille. Fait que tu arrives dans le vestiaire entre la 1 et la 2, toi, tu sais que tu n'as pas bien joué, tu sais que tu n'as pas joué de la bonne manière. Un gars qui fait bien ça à Montréal, c'est Caden Gooley. Lui, là, il est capable de rebondir. Pour un jeune défenseur comme ça, il peut avoir une période là, tout croche, puis la suivante, il se remet à jouer comme il est capable. Bien, ça, cette switch-là, là, tu sais, de mettre ça à on tout de suite, bien, Armia, ça va être la prochaine étape pour lui, de rentrer après la première dans le vestiaire, prendre une gorgée d'eau, s'asseoir, réfléchir, se coacher dans sa tête, se donner les bons mots, puis rebondir tout de suite en deuxième période. Écoute, quand tu dis Armia, je veux juste ajouter ça, je vais laisser aller Martin par la suite, mais tu sais, quand un joueur se rebâtit, comme Martin Saint-Louis l'a dit, il a tellement changé là, que moi, là, il y a deux mois de ça, j'étais prêt à le donner pour un choix de sixième ronde pour s'y bérer de son contrat. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis obligé d'avoir la réflexion que finalement, il y a peut-être sa place dans l'alignement la saison prochaine. Tu sais, il est vraiment, tu sais, de match en match, là, puis de semaine en semaine, on dirait que notre opinion change. Puis tant mieux. Tu sais, on les critique, mais quand ils font les choses comme il faut, on est là aussi pour le dire. Puis c'est pour ça que c'est des gars comme Saint-Louis, Hughes, Gorton qui prennent des décisions et pas des Lévesque, Dumont et Lemay. Nous autres, on jase, on s'amuse à jaser. Hey. Mais ça prouve. Non, mais c'est vrai, ça prouve une chose que. Un joueur, des fois, on est peut-être trop rapide à lancer la serviette, mais qu'il faut se donner le temps de bien évaluer. Quand le joueur démontre les efforts et le fait de façon constante, parce que c'est ça qui est important, ben ça change la donne. On va permettre aux gens de la télé de revenir et Martin relance la discussion avec Marc-André et Stéphane au retour. Oui, on est de retour. Salut Stéphane, comment ça va? Salut Steph. Salut les boys, comment ça va? Salut Steph. Ça va bien. Steph, avant de parler de notre sujet préféré, les gardiens, laisse-moi demander à Marc-André ce qu'il a pensé de David Rambacher à ses débuts avec le Rocket de Laval. Bien, David Rambacher a eu des très bons débuts. Sa transition vers le Rocket a été très bien faite. Puis encore une fois, puis on l'a dit déjà dans le passé, faut lever le chapeau aussi aux entraîneurs du Rocket qui font un super travail d'accueillir ces joueurs-là, puis de leur donner les consignes adéquates. Tu sais, il faut pas t'en mettre trop dans son assiette un jeune de cet âge-là qui arrive là, tu sais, de l'Europe, puis là qui rentre dans l'alignement. Tu sais, tu peux pas y enseigner le système de jeu au complet. Alors, ils ont vraiment permis à David de bien paraître à ses premiers matchs avec le Rocket. Moi, mon point, Martin, c'est que je crois que David Rambacher doit venir jouer deux ou trois matchs avec le Canadien d'ici la fin de la saison. Puis là, je comprends les partisans du Rocket, puis le Rocket qui disent il faut que David Rambacher aide le Rocket à faire les séries. Je suis d'accord. Puis je souhaite qu'il fasse les séries. En ce moment, ils le sont dans les séries, mais c'est très serré, là. Ça va jouer au dernier week-end. Le dernier week-end du Rocket, le Canadien, la saison régulière est terminée. Elle se termine, je pense, le mardi ou le mercredi, il faudrait vérifier. Puis le vendredi, mardi, samedi, le Rocket joue deux matchs contre une équipe qui dans le classement en ce moment, c'est très serré avec cette équipe-là. En fait, il y a trois équipes que c'est très serré. Mais moi, je pense que David Rambacher, c'est important de le voir à Montréal pour voir c'est quoi ses forces
et ses éléments à développer. Je pense que c'est important pour lui de mesurer ça, parce que juste de se le faire dire, faut que tu améliores tel élément, ça ne sera pas suffisant à son âge. Il n'y a pas encore le millage, l'expérience pour le faire. Donc, c'est important pour David Reinbacher, à mon avis, de jouer 2 ou 3 matchs avec le Canadien et pour que le Canadien puisse lui dire « Voici ton plan cet été. Voici, tu as vu là, dans ces 2-3 matchs-là, ce que tu fais de bien, c'est ça. Ce que tu fais de moins bien, c'est ça. Et quand tu vas rentrer au mois de septembre pour le camp d'entraînement, on veut te donner la chance de faire l'équipe et d'avoir un impact, pas juste faire l'équipe par défaut, là. » Faire l'équipe, avoir un impact, avoir une contribution. Et pour ce faire, ben voici ce que tu dois développer. Puis voici c'est quoi tes atouts. Alors ça, on pourrait le faire sans qu'il joue à Montréal. Mais à mon avis, il faut qu'il vienne jouer 2 ou 3 matchs avec le Canadien. Et Palay, je vais être obligé de te dire que je suis en total désaccord avec toi. Va dominer ta catégorie, puis on se reverra à l'automne prochain, surtout comme tu as dit, qui se battent pour une place en série. Si déjà il fait partie, tu sais, d'une pièce importante, tu ne veux pas le voir partir puis revenir. Moi, je retournerais même Struble. T'imagines-tu le Rocket avec un solide défenseur, le bout de chemin qu'il pourrait faire? Mais regarde, je vais. Moi, c'est pas important ce que je pense. On m'a laissé Stéphane, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, Reinbacher, tu le laisses à Laval ou tu lui donnes 2-3 matchs à Montréal? Ben moi, moi, je le laisse à Laval. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de presse, envers Reinbacher. À ce compte-là, pourquoi pas dire qu'il faut monter Mailloux pour lui montrer qu'est-ce qu'il a amélioré dans la Ligue nationale? Non, je pense que pour moi, il n'y a pas de presse. Je n'ai pas de trouble à voir Reinbacher jouer le reste de sa saison à Laval. Et puis, toutes les opinions sont bonnes. Il n'y a pas personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. C'est une question d'opinion. Puis, that's it. Ben oui. C'est correct. On se donne nos opinions. C'est correct. Ben oui. Oups, on vient de perdre Marc-André. Oh. Il fallait qu'il quitte. Il nous l'avait dit. Marc-André, il n'est pas content. Non, je veux juste dire aux gens, là, il y avait un rendez-vous, il devait quitter, il m'avait avisé avant l'émission. Et j'étais en train d'y écrire, là. On va te libérer aussitôt que Stéphane a fini, mais finalement, il s'est libéré tout seul. Fait que c'est bien correct. On le remercie, mais on va le retrouver la semaine prochaine. Ouais, c'est un bon sujet. Mais là, c'est parce qu'il a mis le feu, là, juste avant de partir, là. C'est correct. C'est le fun. Il y en a un qui met pas le feu. Ben, en tout cas, il l'a mis sur la glace, mais il met pas le feu dans les discussions parce que c'est... Ouais, c'est clair qu'il est en train de s'établir comme le numéro 1 du Canadien. Puis hier, il avait l'air d'un gardien numéro 1. Steph, c'est Samuel Montembeault. Encore une grosse performance. Il a bien rebondi après son match à Vancouver. Ouais, exact. Puis il l'a dit lui-même qu'il a été très moyen contre les Canucks. Et puis... mais j'ai aimé son match d'hier. Premièrement, là, une chose que j'ai aimé, les gars, c'est que le Samuel Montembeault d'il y a 2 ans, quand tu donnes un but en partant, premier lancé à 43 secondes, il aurait peut-être joué ses talons après, il aurait peut-être dit « Oh my God, j'ai peur d'en manger toute une soir. » Et puis le Samuel Montembeault de cette année a fait le contraire. A rebondi tout de suite après un premier but, sur le premier lancé, a tout de suite après a fait des gros arrêts. Et ça m'en dit beaucoup, ça, sur... C'est facile de dire, oublie ça, premier lancé, un but, facile à dire. C'est pas facile à faire. Il l'a fait hier. Et puis, c'est quoi qui avait l'air hier dans le match? Je le regardais jouer, là, avec son assurance, sa confiance, pas ébranlé, pas en tout après le premier but. Je me suis dit, tu sais quoi qui a de l'air? Il a de l'air d'un numéro 1. Et puis, donc, il était solide hier. Oui, il a été solide. Mais je suis en désaccord avec Yannick. Parce que Yannick, quand il dit, il nous prouve qu'il est réellement le numéro 1 du Canadien. Donc, il est en train de s'établir. Non, mais c'est ça. Pas pareil. Ouais. Il est en train de montrer qu'il est de calibre numéro 1. Mais d'un coup que tu en as 2 qui peuvent pousser pour la job, ça rend service aux Canadiens de Montréal. Puis c'est ça qui est important. Faut pas mettre dans une boîte Montembeault va être le numéro 1 puis Primo va être le numéro 2. Si Primo peut forcer Sam à dire « Hey, le pied dans le fond tout le temps, puis mon track... » Tu sais, hier, là, Steph avait raison, il parle du fait qu'il rebondit.
Sam l'a parlé en point de presse après, il dit ça aide de rebondir quand tu crées l'égalité 9 secondes plus tard. Tu n'as pas à te morfondre longtemps à dire shit, je viens de donner l'avance à l'autre équipe. Tu es déjà à 0-0 dans ta tête quand l'autre marque avec 9 secondes de jouer. Écoute, les deux gardiens buts, j'en ai parlé tantôt au début de show, Steph. Les deux gardiens buts avec des arrêts à des moments importants en première période ont permis à leur équipe de gagner autant Primo dimanche que Montembeau hier. Oui, oui, exactement. Et puis, tu as raison. Puis, écoute, c'est vrai qu'il est en train de démontrer qu'il peut être le numéro un. Mais ça, les boys, on va le savoir l'année prochaine. Ça, là, c'est même si Sam en gaulerait de super bon, super bien petit à la fin de la saison, il a mérité, comme je le dis souvent depuis quelques mois, il a mérité le droit de nous montrer qu'il peut être le numéro un. Mais ça, ça va être l'année prochaine qu'il va falloir qu'il nous montre. Et d'une façon sans équivoque. Ça ne veut pas dire que Primo n'aura pas sa chance de le devenir lui aussi. On a le droit d'avoir deux numéros un dans la Ligue nationale. Là. C'est pas. Ben, c'est ça, mais oui. C'est pas obligé de dire non, toi, tu es un numéro un, puis toi, tu n'as pas le droit d'être un numéro un. Là. Toi, tu dois être un numéro deux, puis essaye pas d'être un numéro un. Pas de même que ça marche. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, oui, puis j'ai aimé les gardiens de but les deux derniers matchs, ces deux victoires. Et deux victoires, oui, c'est pas juste à cause des gardiens de but, mais c'est deux victoires que les gardiens de but ont fait des gros arrêts au bon moment. Et ça, là, c'est énorme, ça, dans une équipe. Je me souviens hier d'une séquence où Sam a dû faire deux ou même trois arrêts en ligne, des bons arrêts, là. Et ça, là, écoute, c'était un gros point dans le match. Et puis, donc, non, les Canadiens vont bien. Les gardiens de but ont eu un bon voyage. En général, oui, Primo était ordinaire contre les Flames, mais ça, écoute, toute l'équipe avait été ordinaire. Je pense qu'il avait été branlé par le départ de Martin Saint-Louis. Et te semble qu'il a été ordinaire contre Vancouver, revient avec une grosse performance. Hey Steph, je vais te poser une question. Lorsqu'une équipe, soir après soir, voit l'équipe qu'elle affronte, y aller avec son deuxième gardien de but, parce que c'est le cas du Canadien dans les cinq derniers matchs, là, c'est les gardiens numéro 2 qui faisaient face au Canadien. Est-ce que ça peut servir de source de motivation, ça, pour le Canadien? Je m'imagine que oui. Oui, puis ça me fait sourire quand tu dis ça, parce que t'as souvent... tu sais, à Calgary, on avait Dustin Wolf qui était là par défaut parce que Markstrom était blessé, mais... Wolf qui est quand même considéré en ce moment il est quand même considéré comme le numéro 2. Ça, on s'entend tout là-dessus. Le numéro à Edmonton, tu avais Picard. Après ça, on est allé à Vancouver. Desmith. Après ça, Grubauer et Anunin hier. Donc, 5 matchs de suite avec qu'on affronte le numéro 2 de l'équipe. Et puis... c'est drôle parce que je me mettais à penser à ça. Quand on était entraîneur, souvent, on essayait de se servir de ça pour motiver nos joueurs en voulant dire « Hey, les boys, il nous manque de respect et envoie le numéro 2. » Et on se disait souvent ça. Puis je dis pas que c'est le cas du Canadien, mais c'est pas le cas. C'est pas un manque de respect par Calgary ou par Vancouver ou par Colorado parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses jouer ton numéro 2. Et puis je préférerais... Et tu le fais jouer contre des équipes plus faibles. Puis malheureusement, c'est la réalité. Le Canadien est une des équipes faibles de la Ligue nationale. Donc, on doit s'attendre à avoir des numéros 2 régulièrement. Mais souvent, on motivait nos joueurs de dire « Ah oui, ils viennent de rouler le numéro 1 pendant 3 games en ligne. » Puis là, parce que c'est le Canadien, nous autres, on arrive, ils mettent notre numéro 2. Donc, on va lui montrer qu'on n'est pas super. Des fois, ça sert de motivation. Mais c'est juste un petit à côté, je voulais emporter. En passant, hier... Anunin, Martin a parlé tantôt. Justus Anunin, le gardien de but du Colorado, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Hey, un gros gardien de but, ça, c'est 4. Il a une bonne saison. Depuis qu'il est arrivé, là, écoute, le gars a une moyenne d'efficacité supérieure à 926, ce qui est très bon en 9 départs. Et puis, je l'ai trouvé bon. Il n'a pas été bon sur le gardien de but, sur le but de Suzuki. Un très mauvais but parce que tu vois. Clairement, qui triche vers l'intérieur en pensant que Nick va couper. Et puis, c'était un mauvais but, mais il était bon, je l'ai aimé hier. Puis je pense que Colorado s'est trouvé un bon deuxième gardien de but jusqu'à maintenant. C'est seulement 9 matchs, mais il était bon hier.
Ouais, pas sûr que tu aurais dit ça au début de la game quand il a donné le but sur Suzuki. Je t'avais regardé, je t'avais dit, puis tu le trouves-tu bon? Non, c'est ça que je veux te dire. J'ai pas aimé son premier but, mais j'ai aimé. Peu importe la façon qu'il aurait joué hier, j'aime ce style de grand gardien de but qui est en contrôle, qui est bien positionné. C'est un bon athlète, mais surtout CC4. À 24 ans, tu ne jaillis pas ça. Donc, je pense que c'est un pour gardien, ça, tu l'aimes. Il calme aussi. Il monte un grand calme aussi. Là, c'est ça. Il est calme, il est en contrôle. Il est en contrôle de son filet. Il prend de la place. Il est gros, puis il joue gros. J'ai aimé ce que j'ai vu hier de ce gardien de but. Et tout à fait d'accord. Très mauvais but contre Suzuki. Il l'a vu tricher vers l'intérieur. Et puis, après, 24 ans. Ouais, il est jeune. Ouais, ils l'ont récompensé, et puis ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien. Ils l'ont quasiment signé au salaire minimum. Fait que, si ça ne marche pas, ils l'envoient dans les Américaines et tout. Ben exactement. Mais je pense qu'il y a, quoi à faire avec ça. Tout à fait. Il y en a un autre qui, depuis qu'il a quitté le Canadien, connaît passablement de succès. On va en reparler un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Puis hier, il a battu les Leafs. C'est Jake Allen qui va super bien au New Jersey. Jake Allen, c'est drôle. Du jour au lendemain, il est devenu bon. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé entre son travail, son voyage du Canadien jusqu'au New Jersey. Mais du jour au lendemain, il est devenu très bon. Et puis, c'est ça pour dire. Écoute, Jake, là. Il n'est pas arrivé là, puis le coach Gérolo l'a changé du jour au lendemain. Là. C'est le même gardien de but qui était à Montréal. Sauf que, depuis qu'il est arrivé, c'est seulement 6 matchs amorcés, 6 départs. Mais Jake Allen, depuis qu'il est à New Jersey, a une moyenne de 2,50. Ça, là, c'est plus qu'un but de moins que quand il était à Montréal. Et il a une moyenne d'efficacité de 925, ce qui est très, 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 très bon. Ça se peut-tu, des fois, que dire le gardien de but, souvent, à la merci du système de jeu, de la façon qu'on joue dans notre zone? Et je pense que ça, c'est une belle preuve, ça. Les équipes qui sont bien organisées dans le territoire, le gardien de but paraît tellement mieux. Et c'est le cas de Jake, puis je suis content pour lui. Il joue dans un système où c'est beaucoup plus organisé, et le gardien de but en profite. Et puis, mais c'est le même gardien de but qu'on avait à Montréal. Il donnait plus de un but de plus qu'il donne en ce moment au New Jersey. Ça pour dire que souvent, et ça c'est une des belles preuves, c'est que souvent, le gardien de but, t'as le merci souvent de la façon qu'on joue devant toi. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jake qui a ramené les Devils. Je pense pas que les Devils fassent les playoffs, mais ils ont quand même ramené dans l'intérêt de dire qu'on a encore des chances. Ben, un, ça doit écœurer parce que tu te dis maudite affaire. Ah ouais, ça, on arrêtait de chercher avant. C'est pas lui, c'est Kakkonen. On s'est débarrassé de Vasilchek. La grosse différence pour moi, Stéphane, là, c'est, tu sais, première game contre Dallas, il donne un but sur le premier lancé. Hier, contre Toronto, même affaire, premier but sur le premier lancé. Mais il n'est pas obligé de gagner le match tout seul. Il sait qu'ils vont marquer des buts d'avoir 6 hier contre les. Fait un vétéran. Lui, il s'en fait pas avec un but, deux buts donnés. Puis il sait que son attaque va lui donner des buts. Tandis qu'à Canadien, il avait peut-être la pression de dire faut tout que je les arrête parce qu'on a un trio puis on ne marquera pas. Puis, tu comprends-tu? Tout ça vient en ligne de compte. Fait que oui, le système devant lui, mais aussi de savoir que ton équipe peut marquer 4 buts, 5 buts dans le match. Le Canadien n'a pas la même marge. Là. C'est pas vrai que les gardiens du Canadien commencent en disant hey, hier soir, notre attaque, elle va nous en donner. T'sais. Ah, exactement. Et puis écoute, Jake Allen, je suis d'accord avec toi. Puis c'est un gars, comme tu dis, c'est un vétéran. C'est pas en se faisant marquer un but en partant que ça va le déranger. Il y en a vu d'autres. Et puis ça, c'est important. Quand on parle d'expérience, ça, c'est là l'importance. Autre chose, j'ai aimé aussi les commentaires de notre collaborateur Pierre Labrun à Hockey 360 quand il dit qu'il a parlé au gérant général des Devils, puis il est d'un plan l'année prochaine. Peu importe, on ne sait pas qui va être numéro un. On ne sait pas c'est qui. On sait que Jake Allen va être numéro 2. Ça, on le sait. Et puis, il dit, gars, que ce soit Markstrom, Staros, ou un jeune qu'on peut monter, Schmid,
ou Nico Dawes, peu importe c'est qui, notre gardien de but numéro 2, c'est Jake Allen, puis lui, il va aider le numéro 1, peu importe c'est qui. Et puis c'est vrai, puis c'est le rôle qu'on voulait de Jake Allen à Montréal, d'aider notre numéro 1. Et puis c'était le rôle, pourquoi qu'on l'a fait venir à Montréal, pour donner un souffle à Carey Price, de l'éviter de faire jouer 50 matchs, 55 matchs. On voulait que Jake en joue 30. Et dans ce rôle-là, Jake Allen, 30 parties par année, est encore pour moi un très bon choix. D'ailleurs, les gardiens numéro 2 aujourd'hui voient beaucoup plus d'action qu'il y a 20 ans. Et je ne sais pas si tu nous as écouté hier, Stéphane, mais Martin nous a fait une question quiz qu'on a dit qu'on était pour te poser aujourd'hui. Puis honnêtement, j'allais l'oublier, mais grâce à un auditeur, Alain Poisson, sur Facebook, qui me dit « Hey, oubliez pas la question quiz à Stéphane Waite. Hier, j'ai pas les hâte de répondre. » Marc, évidemment, avait la bonne réponse, mais Steph, on va te tester, OK? Je sais pas, Martin, si tu veux que j'aille ou tu veux la poser, là, je peux la redire. Là, c'était ben, l'année que Marc Denis a gardé les buts, 77 matchs. Ça donne pas d'ouvrage au gardien de but substitut. C'est pas un gars qu'on a vu souvent. Te souviens-tu du nom du gardien de but substitut des Blue Jackets de Columbus quand Marc a gardé 77 matchs? Je vais y aller avec quoi? Je sais, Jean-François Labbé. Ah bon, OK, là, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est sûr que Steph, il va l'avoir. C'est son chum, là. Là, on voulait te tester. Ah ouais. Mais là, tu viens de sauver l'honneur. C'est un de mes coachs à mon école de hockey. C'est un GF. C'est un gars que j'ai coaché longtemps. C'est un gars de Sherbrooke. C'est un gars que son jeune, qui Kyan, est venu à mon école de hockey. Kyan, qui commence ici avec Magog. Avec Magog Mijotpois, qui est un des meilleurs gardiens de but de Mijotpois. Donc, celle-là, c'est, pour moi, c'est la question la plus facile que j'ai eue cette année jusqu'à date. Je savais que t'étais pour l'avoir, mais les gens voulaient pas qu'on oublie de te la poser, là. C'est surtout GF qui va être content que tu t'en rappelles. Ben oui, Timine, qu'on appelle. Timine, le fameux Timine. Oui, Timine, oui. C'est juste drôle, c'est parce que... C'est pour Timine, on va vous le dire. Ah? Écoute, hey, 77 départs, Marc Denis. Ben, c'est ça. Ça, c'est une autre époque. Hein. On verra plus ça aujourd'hui. Steph, on va continuer à s'amuser parce que tu t'es amusé à faire quelque chose, puis tu m'as dit ce matin, on va se garder un peu de temps pour jaser de ça. Ouais. Tu as décidé de sortir un peu là, la provenance des gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Faire un genre de portrait qui illustre bien, parce que des gardiens québécois, il y en a quoi, deux dans la Ligue là, présentement? Il y en a juste deux, Fleury. Il y a Fleury et Montembeau, là. C'est ça. Oui, mais. L'hiver est rappelé. L'hiver, mais j'ai l'hiver dans ma liste. Écoute, j'ai sorti la liste des gardiens de but de la Ligue nationale qui ont joué au moins 10 matchs en date d'aujourd'hui. 10 matchs dans la Ligue nationale, cette saison en date d'aujourd'hui. Il y en a 71. Et. On a 11 pays. Les gardiens de but viennent de 11 pays différents, donc il y a beaucoup. Et c'est qui a le plus de gardiens de but dans la Ligue nationale? De quel pays, d'après vous? Les Russes. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, les Russes, moi aussi. OK. C'est la perception qu'on a. Mais on est encore de loin. Le Canada est de loin numéro un au niveau du nombre de gardiens de but dans la Ligue nationale. Ouais, et de loin. Écoute, sur 71 gardiens de but qui ont joué au moins 10 matchs cette saison, on a 22 du Canada. 22. Mais, il faut faire attention, on a la quantité, mais pas la qualité. Si on va du côté de la qualité, là, je vais avec Martin, on y va avec les Russes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, le Canada a 22. Numéro 2, c'est même pas les Russes. C'est les Américains, avec 15 gardiens de but dans la Ligue nationale qui ont joué au moins 10 matchs. Et puis, après ça, troisième, les Russes, avec seulement 9. Mais on a tendance à penser que les Russes dominent parce que
sont tous bons. Ils sont tous très bons. Donc, 9 Russes. Il y a combien de Russes substituts? T'as Varlamov. T'as Samsonov qui est sur le bord. Il est 50-50 avec Wolf. Donc, après ça, les autres, mais écoute, Sorokin, Shostakin, Vasilevsky, Kotchetkov, qui est le nouveau dans la liste, avec le Coraline qui est maintenant le numéro 1. Donc, 9 Russes. On a 7 Suédois, 7 Finlandais. Eux autres, ils n'ont pas de chicane, ils sont égales. Et puis, la Tchéquie à 6. Et après ça, on finit avec le Danemark, la Bulgarie, l'Allemagne, la Suisse, la Lettonie avec un gardien de but chaque. Donc, c'est intéressant de voir que le Canada, on a encore, et de loin, beaucoup plus de gardiens de but. Mais notre problème, c'est qu'on n'a pas la qualité. C'est qui? Oui? C'est qui le Bulgare, là? La Bulgarie, là, j'essaie de... Alexander Georgiev. Georgiev, c'est vrai. Georgiev. Ça, une bonne question quiz, tu prends en poignée quelques-uns avec ça, ça c'est sûr. Ouais, nommez-moi le seul gardien bulgare dans la Ligue nationale. Pas sûr, moi, que tout le monde va le trouver. Qu'est-ce que t'as dit, Martin? Ah, on a perdu le son à Martin. Bon. Je suis pas bye sûr de ne pas l'avoir compris. Salut, mais! Bye bye! Ouais, t'es sauvé, c'est Martin! Bon, t'avais plus de son, là. Plus de ouais, son, pas de vas-y, Steph. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est intéressant de voir qu'on a encore le Canada, on a encore le lead au niveau des gardiens de but. Mais le problème, comme je disais tantôt, on a la quantité, mais on n'a pas la qualité. Ça, c'est un problème. Quand on dit qu'on va avoir de la misère à se trouver 3 gardiens de but pour les Olympiques dans quelques années, ça veut tout dire. Maintenant, j'ai fait le décompte de ces fameux 22 gardiens de but-là qui viennent du Canada, qui ont joué au moins 10 matchs dans la Ligue nationale cette saison. Je les ai séparés par province. Encore une fois, on est reparti. Qui produit le plus de gardiens de but au Canada, les boys? C'est quelle province? L'Ontario. L'Ouest. L'Ouest, soit plus précis, l'Ouest, province. L'Ouest, parce que là, c'est ça, t'as Manitoba, Alberta, BC. Il y a une province. Ouais, c'est ça. La province, c'est l'Ontario. C'est 6 gardiens de but sur 22. 6 gardiens de but. Et puis, deuxième, c'est la Colombie-Britannique. La deuxième, Colombie-Britannique, avec 4. Donc, Ontario 6, Colombie-Britannique 4. Et après ça, on est le Québec et l'Alberta avec 3. Parce que devant l'hiver, il a joué plus que 10 matchs. Ça, c'est pas normal que le Québec, on soit comme ça. Là. On n'est pas habitué à ça, là, Steph. Y en a-tu qui s'en viennent? Y en a-tu des bons, tu penses, qui cognent à la porte? Là, du Québec? Il n'y en a pas une tonne, là. Il n'y en a pas une tonne. Pose ta question-là, il y a Canadien. Oui, probablement. Moi, j'ai compté 7, là. Montembeau, Jarry, Ingren, qui est partant en Arizona. Oui. Non, j'ai mis Adam Hill devant Thompson. Je pense que c'est Adam Hill qui est le premier. Talbot, Bennington et Skinner. Ça fait du sens. Donc, on produit beaucoup de backup. Hein? C'est ça que tu veux me dire. Fait que... on produit beaucoup de backup. Et les gars, j'aurais posé la même question il y a une dizaine d'années, c'est quelle province qui produit plus de gardiens de but? C'est le Québec, c'est sûr. Ça aurait été la réponse la plus facile à répondre sur la Terre. Ça démontre que, oh my God, on vient de prendre du recul. Il y en a-tu qui s'en viennent? J'espère que oui. On a beaucoup de gardiens de but, des jeunes gardiens de but de 17 ans dans la Ligue junior du Québec qui ont finalement un bon gabarit en partant, qui sont rendus à 6-2, 6-3. Ça m'encourage. On a un Quentin Miller à Rimouski qui peut être un espoir qui s'en vient.
J'aime les deux Rousseau. Les deux Rousseau, même s'ils ne sont pas grands, on a parlé de la grandeur la semaine passée. Ils ont peut-être des chances parce qu'ils ont quoi de spécial, ces gardiens de but-là. Je pense qu'on a réalisé au Québec qu'est-ce que ça prend pour redémarrer la machine. Ça ne viendra jamais comme c'était, c'est impossible. Mais on peut et de loin être meilleur pour produire des gardiens de but au Québec. Je pense qu'on a des réponses et qui s'en viennent. Ouais, on a hâte d'avoir ça. Il n'y a pas le kid avec Victo là, qui est. Darvaux. Gabriel Deg. Darvaux, Nathan. Ben, il y a Darvaux qui a 20 ans, Deg a 17. C'est lui que j'avais dans la tête, Gabriel Deg. Oui, écoute, un beau talent. CC4, Yannick, il connaît très, très, très bien, un gars de son coin. Et puis, un très beau talent. Le kid va avoir sa chance l'année prochaine de jouer beaucoup de matchs. Il joue en arrière d'un des meilleurs gardiens de but de cette année dans la Ligue avec le jeune Darvaux. Mais non, Gabriel Deg va avoir sa chance l'année prochaine. J'ai hâte de voir ça. Ça va être une grosse saison pour lui. Son année de repêchage, il a tous les outils pour réussir. Il reste 5 à mettre ça dans la même boîte. D'ailleurs, Yann, si tu me permets, parlant des tics de Victoriaville, j'ai reçu un message texte ce matin à 10h07 ce matin. Message texte de Kevin Cloutier, directeur gérant des tics de Victoriaville. « Salut Martin, notre hoodie des tics de Victoriaville est en route depuis hier. Pas question qu'on va laisser tout le plancher à Denis Gauthier qui s'est présenté avec un hoodie rouge des Voltigeurs hier à l'émission. Continue ton excellent travail. Signé, Kevin Cloutier, directeur gérant des tics de Victoriaville. » C'est bon, ça. C'est très, très faut bon. Faut croire qu'on écoute ton jazz un petit peu partout dans Q. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. J'en entends parler un petit peu partout. Mais On salue Kevin, d'ailleurs. Oui, monsieur. Puis ne manquez pas ça à partir de vendredi dans toutes les villes de la Ligue Junior du Québec. C'est parti. Et j'ai vu aussi, un petit article un matin sur le Midget 3, la M18. Les demi-finales commencent ce soir. Commence ce soir, ça va être bon, ça va être très, très bon. Bonne chance en passant. D'ailleurs, à mes cantonniers. Ben oui, ça, j'allais dire. D'ailleurs, Steph, je vais aller à Magog. Je ne vais pas ce soir, possiblement demain, là, mais on va sûrement se croiser, je vais te le dire, là, si je vais à Magog. Parce que les cantonniers de Magog vont affronter le Blizzard du Séminaire Saint-François dans une demi-finale. Et dans l'autre, c'est les Estacades de Trois-Rivières face aux Vikings de Saint-Eustache. Quatre excellentes formations qui vont s'affronter. Ça débute ce soir, la demi-finale. Donc, c'est le fun. Peut-être que les Estacades de Trois-Rivières pourraient jouer dans le Colisée Vidéotron. Ça a l'air que il y aura plus d'équipe dans cette arène-là bientôt. Ouais. Ça a l'air que c'est ça. Triste. J'ai entendu parler d'ailleurs, je suis allé à Trois-Rivières la semaine dernière, puis ça se parlait dans l'aréna, les gens en parlaient beaucoup. Là, ça sent la fin pour les Lions, malheureusement. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Écoute, ça n'a pas d'allure, un amphithéâtre comme ça, là, de toute beauté, qui... je suis convaincu qu'à Trois-Rivières, on va travailler pour trouver une nouvelle équipe, une nouvelle formation, et qui sait. OK, il faut s'arrêter là-dessus. Steph, un gros merci. C'était bien, bien le fun, encore une fois. Puis la petite provenance des gardiens, là, c'est le fun. On s'est amusé avec ça. On te souhaite une belle semaine, Steph. Ouais. Hey, merci. Bonne fin de semaine, les boys, et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Salut Stéphane. Ouais. Un gros merci à Stéphane White et à Marc-André Dumont qui était avec nous aujourd'hui. Merci à l'équipe de Sport 30, Anouk et Olivier, excellent travail. À toute l'équipe en régie à RDS, merci beaucoup. Alexandre qui était aux médias sociaux, notre gestionnaire de communauté. Merci à Valérie Gautran, réalisation mise en onde. Et surtout à vous tous les jaseux, un énorme merci de nous suivre et d'être avec nous. Demain, on sera de retour avec Benoît Brunet et Gilbert Delorme. Prenez soin de vous autres.